Je suis Blaise Kazé, je suis un professionnel du marketing de réseau. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner les quatre raisons, les quatre moyens autant pour moi, par lesquels vous pouvez gagner de l'argent à travers l'entreprise SARU. Donc, si vous découvrez la page, je vous prie de cliquer sur abonner et surtout de cliquer aussi sur la petite cloche qui se présente là à côté. De sorte que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, que vous soyez donc informé. Donc, n'oubliez pas de le faire, cliquez juste là au pied de la page. Donc, comment gagner de l'argent avec SARU? Premièrement, c'est d'abord quoi? Qui est SARU? SARU est une entreprise de e-commerce. SARU est une entreprise de e-commerce. C'est-à-dire, l'activité de SARU consiste à commercialiser des produits sur Internet. Donc, lorsque vous ouvrez le site de l'entreprise, vous verrez des produits exposés. Vous pouvez sélectionner et confirmer vos commandes. SARU est une entreprise chinoise et qui a désormais une représentation en Afrique. Donc, chaque fois que vous entendrez parler de SARU, retenez e-commerce. Alors, pourquoi est-ce que nous nous engageons à SARU? Nous nous engageons à SARU parce que c'est une plateforme qui nous permet de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vous donnerai quatre moyens par lesquels vous pouvez gagner de l'argent à travers l'entreprise SARU. Donc, le premier moyen par lequel vous pouvez gagner de l'argent avec l'entreprise SARU, c'est le trading. Donc, lorsque vous devenez membre de l'entreprise SARU, vous avez la possibilité d'investir un capital qui vous permet d'avoir des gains chaque fin du mois. Mais avant d'avoir le capital, il y a un élément que j'ai failli sauter, c'est comment devenir membre. On devient membre à SARU à travers le parrainage. Donc, quelqu'un doit parrainer votre inscription dans SARU. On ne peut pas vous lever un matin et vous dites, aujourd'hui je deviens membre de SARU, je vais au bureau et je m'inscris, ou bien je vais sur Internet, je cherche un lien et je m'inscris. Même si vous trouvez un lien sur Internet, je vous rassure déjà que ce lien appartient à quelqu'un. Donc vous serez automatiquement affilié à quelqu'un, à un membre de SARU, fût-il en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria. Donc on ne peut pas s'enregistrer à SARU sans être branché à un représentant de SARU. Donc, lorsque vous êtes membre de SARU, il y a ce qu'on appelle le trading. Donc, le trading est le moyen par lequel vous pouvez gagner de l'argent à travers la plateforme SARU. Et en quoi consiste ce trading? Retenez bien, je suis dans le premier élément, comment gagner de l'argent à travers SARU. Le trading consiste à faire un investissement sur la plateforme. Vous faites un investissement qui vous apportera des gains chaque fin du mois. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous faites un investissement sur la plateforme qui vous rapportera des gains chaque fin du mois. Donc, lorsque vous arrivez à SARU, vous êtes capable de générer des revenus mensuels, même sans avoir recruté qui que ce soit. Enlevez de votre esprit que SARU est une entreprise de recrutement comme les autres. Non. Chez SARU, le recrutement est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de recruter, d'engager qui que ce soit. Vous et vous seul, vous êtes capable de générer des millions par mois à travers votre investissement. Et l'entreprise rémunère par rapport au volume de l'argent que vous avez investi sur la plateforme. Donc, je parlerai de façon détaillée dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, il était question que je vous présente les quatre moyens par lesquels vous pouvez gagner de l'argent à travers l'entreprise SARU. Et je viens là de vous présenter le premier moyen qui est l'investissement. Vous devenez membre à SARU, vous investissez un capital qui, toutes les fins du mois, vous rapporte des bénéfices. Voilà. Le deuxième moyen que SARU a mis sur pied pour permettre aux gens de changer leur vie,
c'est le recrutement. À partir du moment où vous êtes membre à SARU, si vous avez votre argent, vous pouvez investir sur la plateforme et attendre vos bénéfices, vos gains à la fin du mois. Mais si vous n'avez pas des millions, vous n'avez pas assez d'argent à investir, vous êtes simplement membre, vous avez juste pris un paquet d'adhésion. Le deuxième moyen par lequel vous pouvez gagner de l'argent est de parrainer d'autres partenaires. Ça veut dire que je deviens membre de SARU et je parle de l'opportunité à quelqu'un. Ici, c'est le volet marketing de réseau de l'entreprise. Parce que je vous ai dit qu'il y a quatre moyens par lesquels on peut gagner de l'argent à SARU. Le premier, c'est le trading. J'investis mon argent qui me rapporte des bénéfices chaque fin du mois. Le deuxième moyen, c'est la vente relationnelle. Ça veut dire parce que je suis membre de SARU, je deviens un communicateur, je deviens un promoteur de l'entreprise. Je vais présenter l'opportunité à des tierces personnes qui, par la suite, acceptent de devenir membres. Et lorsqu'elles deviennent membres, l'entreprise me donne une commission qui s'élève jusqu'à 16, qui s'élève à 16% de l'inscription de la personne. Un exemple, si je rencontre quelqu'un qui veut devenir membre de SARU et qui est prêt à investir 210 000, supposons 200 000 francs sur la plateforme, l'entreprise va me remettre comme commission 33 600 francs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque je deviens membre de SARU, j'ai la possibilité de parrainer d'autres membres. Et chaque parrainage me donne droit à une commission. Ça, c'est à l'enregistrement de la personne. Maintenant, en plus de la commission que l'entreprise me donne pour chaque enregistrement, j'ai encore droit chaque fin du mois, ou plutôt à chaque trading que la personne offrira, j'aurai droit à une commission qui dépendra du grade de la personne. Donc, je précise que l'entreprise, pour vous donner les gains mensuels, vous oblige à faire certaines opérations au cours du mois. Et vous avez droit à trois opérations pour chaque compte. Donc, vous pouvez avoir votre argent après 10 jours avec l'entreprise SARU. Donc, le deuxième moyen pour gagner de l'argent avec SARU, c'est le parrainage. Vous devenez un réseauteur. Vous utilisez vos relations pour parler de l'opportunité SARU et pour affilier d'autres partenaires. Ça, c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen que SARU nous donne pour gagner de l'argent, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Nous sommes en 2020. Nous ne sommes plus en 82, dans les années 60. Aujourd'hui, le monde vibre à la vitesse du numérique. Et SARU a mis les petits plats dans les grands en créant sa propre crypto-monnaie. Donc, SARU est propriétaire d'une crypto-monnaie qui s'appelle le CocoX. Alors, lorsque vous êtes membre de SARU, vous pouvez investir sur cette crypto-monnaie et attendre simplement qu'elle prenne de la valeur. Je ne vous apprends rien là-dessus. Les crypto-monnaies sont appelées à prendre de la valeur avec le temps. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du Bitcoin que tout le monde connaît. Donc, vous pouvez devenir membre de SARU et investir sur la crypto-monnaie de l'entreprise SARU et attendre simplement qu'elle prenne de la valeur. Donc, voilà les quatre, les trois moyens par lesquels on peut gagner de l'argent à travers SARU. Le premier moyen, c'est le trading. Le deuxième moyen, c'est le marketing de réseau, c'est-à-dire recruter des potentiels investisseurs. Le troisième moyen, c'est la crypto-monnaie. Acheter la crypto-monnaie et la laisser prendre de la valeur. Le quatrième moyen, c'est une combinaison des trois premiers moyens. Ça veut dire que vous arrivez à SARU, vous investissez, vous recrutez et vous achetez la crypto-monnaie. Voilà les quatre moyens par lesquels on peut gagner de l'argent à travers SARU. Donc, je ne serai pas plus long. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la page, partagez la vidéo avec vos amis, avec vos partenaires, si vous êtes déjà à SARU.
Donc, je vous reviens prochainement avec d'autres notions sur la crypto-monnaie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à la page. Il y en a qui sont encore à la traîne. Donc, je vous reviens prochainement avec la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? Comment utiliser la crypto-monnaie lorsqu'on est un partenaire de Sahiru? Comment se faire plus de l'argent en utilisant la monnaie de l'heure, qui est la crypto-monnaie, qui est le Cocos, qui est le Bitcoin? Donc, merci d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao.